Voilà, bonjour à vous, bienvenue pour ce premier des débats éducatifs des cahiers pédagogiques, du CRAP cahier pédagogique. Je m'appelle Jean-Charles Léon et je suis professeur de musique en collège, membre des cahiers, du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Nous inaugurons une nouvelle formule avec un invité, des intervenants. Aujourd'hui, nous avons trois intervenants qui vont interroger notre invité, Jean-Paul Delahaye, qui sont Marie-Johanna Chanlon. Bonjour Marie-Johanna. Bonjour, donc je suis professeure d'art appliqué et membre du conseil d'administration des cahiers pédagogiques. Yves Rotter, bonjour Yves. Bonjour, donc Yves Rotter, je suis membre du CA et du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et prof à l'Université de Lille. Merci, bonjour Gwenaël Le Guevel. Bonjour, moi je suis président du CRAP cahier pédagogique et prof des écoles spécialisées. Alors, vous pouvez intervenir, s'il vous plaît, par le chat sur lequel certains ont déjà interagi. Et ce chat sera animé par Ben Aïda. Bonjour, Ben. Bonjour, Ben Aïda. Je suis professeur des écoles et formateur. Et je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Alors, il y aura aussi Cyril Lascazis qui se charge des relais Twitter. Assagori qui, elle, fera une synthèse de ce que vous pourrez écrire et dire sur le chat. Et cette synthèse sera publiée sur le site avec la mise en ligne de ce webinaire dans les 24 ou 48 heures. Je laisse tout de suite la parole donc, pour commencer ce premier des débats éducatifs à Gwenaël Le Guevel qui va se charger de présenter notre invité. À toi, Gwenaël. Oui, donc on a voulu initier cette série de webinaires un peu plus politiques, surtout en vue des échéances électorales qui viennent. Et donc, c'est Jean-Paul Delahaye qui nous fait l'honneur de l'inaugurer. Alors, ce n'est pas juste une formule, hein, parce qu'on est vraiment ravis, parce qu'on commence par un sujet qui nous tient à cœur au CRAP, qui est celui des inégalités sociales. Si le CRAP, il a comme slogan changer la société pour changer l'école et changer l'école pour changer la société, c'est bien parce qu'on estime qu'il y a quelque chose à changer. Voilà. On est entre nous, entre réparateurs d'ascenseur social, peut-être. Voilà. Donc, c'est Jean-Paul Delahaye qui est donc là et qui est inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale, ancien DGESCO. Voilà, on sort les titres. Alors, la DGESCO, vite fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministère de l'Éducation nationale est bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a le cabinet et la DGESCO. Et M. Delahaye en était le directeur. Et pour son intervention, il va s'appuyer sur trois ouvrages principalement. Le premier, c'est un rapport qui est toujours téléchargeable de mai 2015, que vous pouvez retrouver sur le site du ministère qui s'appelle « Grande pauvreté et réussite scolaire ». Voilà, qui avait été fait en collaboration avec le Césaire, si je ne m'abuse. Ensuite, un deuxième ouvrage qui est beaucoup plus personnel, qui est « L'exception consolante », qui est sorti en août 2021. Et puis enfin, un ouvrage à venir, qui est « L'école n'est pas faite pour les pauvres », pour une école républicaine et fraternelle. Voilà, donc à vous la parole, Jean-Paul. Merci beaucoup au cahier pédagogique pour cette invitation. Alors effectivement, dans Exception consolante, dont vous venez de parler, je raconte mon enfance de pauvre, hein, sous la forme d'une longue lettre à une mère admirable, femme de ménage, ouvrière agricole, qui a élevé seule ses cinq enfants dans un petit village du Ponthieu, dans la Somme. Et cette enfance de pauvre entre en résonance dans mon récit avec les constats que j'ai effectués plus tard, quand le fils de pauvre est devenu inspecteur général, et que, voilà, constat que j'ai consigné dans mon rapport dont vous venez de parler, La grande pauvreté, réussite scolaire. Alors, ce rapport, qui est le rapport le plus téléchargé de toute l'histoire des rapports de l'inspection générale, d'ailleurs, m'a permis de décrire très précisément les effets de la pauvreté sur les destins scolaires. Et même si les choses, évidemment, ont beaucoup changé en 60 ans, les invariants de la pauvreté, ça ne surprendra personne, sont toujours là, qui empêchent de bien apprendre. Et je me suis très largement retrouvé, en fait, à 60 ans de distance, dans la description que je faisais de la scolarité des pauvres en 2015. J'ai connu personnellement ce manque permanent d'argent,
ces privations continuelles, les crédits chez l'épicière, l'attente impatiente et parfois désespérée des allocations, les difficultés pour acheter des fournitures, l'impossibilité de payer la sortie scolaire et donc de rester dans l'établissement pendant que les autres sont partis en Angleterre. J'étais logé dans une petite maison inconfortable et j'ai pu, grâce à l'internat dont j'ai bénéficié dès le collège en allant dans un lycée bourgeois à Abbeville, j'ai pu avoir des conditions plus favorables que le reste de la fratrie pour apprendre mes leçons et faire mes devoirs. Une sorte d'exfiltration dans un internat d'excellence avant l'heure, hein, qui donne certes de bonnes conditions à un méritant, entre guillemets, mais sans régler en aucune manière les problèmes de tous les autres. Ce qui permet d'ailleurs aux nantis de dire quand on veut, on peut. Hein. Alors, le système éducatif a bien progressé, bien sûr, hein, depuis les années 60, en alternant d'ailleurs progrès et recul, mais il est encore aujourd'hui dans la difficulté quand il s'agit des enfants qui viennent du monde de la pauvreté. On manque, et je le dis à la fois dans le rapport et dans le livre effectivement qui va sortir dans quelques jours, on manque encore de personnels sociaux et de santé, c'est rien de le dire. Les bourses ne sont pas à un niveau suffisant, notamment au collège. Et d'ailleurs, la numérisation des dossiers sans accompagnement des familles est en train de faire augmenter le taux de non-recours à ce droit fondamental. Les fonds sociaux sont une variable d'ajustement budgétaire et le ministère, d'ailleurs, qui avait osé les diviser par deux de 2002 à 2012, les a à nouveau diminués après 2017. Bref, le caractère social et fraternel de notre ministère ne saute pas aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais même en supposant un meilleur accompagnement social, la question de la réussite scolaire des plus pauvres ne serait pas pour autant réglée parce que le problème est aussi et peut-être surtout pédagogique. Le rapport de 2015 s'y attarde longuement et formule des préconisations qui sont d'ailleurs largement inspirées par les écoles et les établissements exemplaires que j'ai pu rencontrer et puis aussi par les résultats de la recherche. Alors, ce nouveau livre, « L'école n'est pas faite pour les pauvres, pour une école républicaine et fraternelle », vient compléter, résumer d'une certaine manière mon propos parce que c'est un livre très court. Alors, quitte à agacer d'ailleurs certains, j'enfonce un clou. Hein, c'est un livre très court qui ne s'adresse pas aux experts, qui ne s'adresse pas aux chercheurs qui connaissent parfaitement le sujet. Ceux qui savent, et ils sont nombreux hein, dans ce webinaire, n'apprendront strictement rien ou pas grand-chose sur la question en lisant ce court ouvrage. C'est d'ailleurs ça qui est désolant d'ailleurs entre nous. Hein. En gros, on connaît la situation et on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Donc, le choix que j'ai fait, c'est d'écrire une courte synthèse destinée à tous les citoyens, également aux initiés, encore une fois, de manière à permettre à toute la population de partager un diagnostic sur l'état du système éducatif français, et ce, à la lumière de la seule question qui vaille pour moi, quelle place fait-on dans une république qui se déclare indivisible, laïque, démocratique et sociale à l'objectif d'égalité des droits dans la réussite scolaire? Si on prend au sérieux l'article premier de notre Constitution, c'est celui que je viens de citer là, alors l'école de la République devrait être en effet une école privilégiant le commun pendant la scolarité obligatoire et donnant vraiment le plus d'attention et de moyens à ceux des enfants qui ont le plus de besoins. Alors, c'est un livre qui ne ménage pas les critiques à l'égard d'un système qui est resté largement censitaire, mais c'est un livre qui ne noircit pas le tableau, à l'image de ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon rapport de 2015. En 60 ans, en effet, notre école s'est transformée et a transformé la France. Si 80% des jeunes obtiennent aujourd'hui le baccalauréat, c'est que les plus pauvres d'entre eux ne sont donc pas systématiquement, et c'est heureux, bien sûr, en échec scolaire. Simplement, les inégalités se sont déplacées. Alors, on ne parle plus aujourd'hui d'exceptions consolantes, mais globalement, quand même, les pauvres restent à leur place. Alors que 75% des enfants de cadres et d'enseignants obtiennent un baccalauréat général, 70% des enfants d'ouvriers passent un bac pro ou un bac techno. Et les enfants d'ouvriers disparaissent du paysage scolaire au fur et à mesure que l'on s'élève dans les études supérieures ou secondaires et supérieures. Dans un pays qui s'affiche comme le pays du vivre ensemble, on ne scolarise pas ensemble. Et on ne mélange pas beaucoup, comme le disait ma mère, les torchons et les serviettes. Les chiffres sont, et depuis malheureusement longtemps, hein, très clairs et blessent profondément notre pays, puisque c'est en France que les destins scolaires demeurent les plus liés à l'origine sociale. Alors, dans ce dernier ouvrage, je ne cache pas mes engagements de toujours, et je rappelle à ceux qui auraient la mémoire courte
que l'objectif de la loi de refondation de 2013 et des mesures qui ont été prises à ce moment était précisément de lutter contre les inégalités à l'école. Et accessoirement, on peut rappeler que ce n'est pas la même chose de supprimer 80 000 postes avant 2012 et d'en créer 60 000 après. Pour autant, ce livre n'est pas manichéen. Parce que si la gauche est parvenue à installer les bases de notre instruction primaire sous la Troisième République, elle n'est pas parvenue par la suite à complètement réussir la démocratisation de notre enseignement secondaire. Faut le reconnaître. Malgré les efforts en faveur de l'école unique des compagnons d'Université Nouvelle après 14-18, malgré les efforts de Jean Zay sous le Front populaire, malgré les préconisations du rapport Langevin-Wallon après la Deuxième Guerre mondiale, malgré les tentatives pour réformer le collège depuis Alain Savary au début du premier septennat de François Mitterrand jusqu'à Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belkacem. Et de fait, c'est la droite gaulliste, pompidolienne, giscardienne qui a démocratisé en partie l'accès à l'enseignement secondaire en supprimant l'examen d'entrée en sixième. J'en ai bénéficié, moi, après 1962, qui a créé le collège unique en 1975 et qui a jeté les bases du socle commun de connaissances de compétences en 2005. Si on fait les comptes de 1981 à aujourd'hui, la gauche aura gouverné la moitié du temps. Elle aura certes fait progresser notre pays dans la lutte contre les inégalités, avec par exemple ce qui est fondamental, la création de l'éducation prioritaire en 1981, mais elle n'est pas parvenue à faire en sorte que la France ne soit plus ce pays dans lequel l'origine sociale pèse autant sur les destins scolaires. En fait, l'accès des enfants pauvres à l'égalité des droits dans notre pays en matière d'éducation est une question qui dépasse en partie les clivages politiques traditionnels et qui divise même les partis, même les syndicats, même les fédérations de parents d'élèves. Par exemple, dire que le collège qui marque la fin de la scolarité obligatoire est encore le temps du commun entre tous les élèves et n'est pas le temps du tri et de la sélection, bah dire cela, ça peut recevoir un accord de principe dans la population. Mais cet accord, on le voit, vole en éclats dès qu'on veut mettre fin, par exemple, au sixième bilingue pour 18% seulement des élèves, et quand on veut instaurer des bilans pour tous dès la classe de 5e, ce qui était un formidable progrès démocratique avec la réforme du collège de 2016. Eh bien, les critiques sont alors venues à la fois d'une partie de la droite, mais aussi de la gauche du haut, qui défendent en réalité les mêmes intérêts. Et quand les 6e bilans sont rétablis en 2017, c'est à la grande satisfaction des 18% qui ont retrouvé là le moyen de protéger leurs enfants de la fréquentation des enfants des autres. Je crois qu'il faut dire les choses aussi clairement. Et comme ça s'est fait à moyen constant, cette affaire, eh bien on a prélevé sur les moyens des dotations globales horaires destinées à tous pour rétablir un parcours protégé pour quelques-uns. Bel exemple de fraternité à l'envers, d'une certaine manière. Par exemple encore, on peut voir, s'agissant des efforts pour davantage de mixité sociale que l'on a déployés à la rentrée 2021, dans les lycées parisiens par exemple, eh bien on peut voir voler en éclats les belles proclamations de principe pour promouvoir la mixité sociale et scolaire. En réalité, tout le monde est pour la mixité sociale et scolaire à condition que ça ne se passe pas dans le collège ou dans le lycée de ses enfants. C'est ainsi qu'on a pu voir une même fédération de parents d'élèves, là, il y a quelques jours, avoir un jugement plutôt favorable au niveau académique sur le nouveau dispositif d'affectation des élèves, ce qui améliore, même si ce n'est encore pas complètement satisfaisant, la mixité sociale et scolaire, et puis voir dans le même temps sa section locale d'un grand lycée parisien être hostile au projet. En réalité, les inégalités à l'école, il faut aussi qu'on se le dise entre nous, entre citoyennes et citoyens, ne nuisent pas à tout le monde. Beaucoup de citoyens qui pensent et votent à droite, mais aussi à gauche, n'ont pas forcément envie d'élargir la base sociale de la réussite à l'école, et donc ont tendance à bloquer les réformes qui risquent de perturber, selon eux, la sélection, ou plutôt le clonage des élites. Et l'intérêt général s'efface trop souvent devant la somme des intérêts particuliers, et la fraternité, dans ce cas, reste un mot creux. Alors, il y a des angoisses hein, réelles, et il faut les entendre, ces angoisses de nos concitoyens, de familles, par rapport au déclassement social, par rapport à l'insertion professionnelle future de leurs enfants, et ça peut provoquer, il faut l'entendre, des stratégies individuelles, comme le refus de la mixité sociale, comme la pression pour l'existence de filières permettant de scolariser leurs enfants à part, etc. On entend même aujourd'hui
des propositions de retour à une sélection précoce. Ça revient dans le débat, examen d'entrée en sixième, départ en apprentissage à 14 ans, hein, ça on revient à 2005 avec l'apprentissage junior. Ces propositions, on l'entend, reçoivent un écho favorable de la part de ceux qui pensent que ça va concerner les enfants des autres et que ça va protéger les leurs. On a même réussi à faire en sorte que les familles populaires, les milieux populaires eux-mêmes intériorisent cet état de fait et ne se trouvent donc pas en situation de contester le sort qui est fait à leurs enfants et peuvent se laisser endormir hein, par des actions philanthropiques d'exfiltration de méritants qui ne règlent rien à la grande masse des déshérités. Donc l'école de la République est loin d'être aussi fraternelle et sociale qu'elle le devrait et le mal est plutôt profond. Bien entendu, l'école n'est pas responsable de tout. Est-ce qu'on peut combattre efficacement les inégalités sociales, dans une société qui continue à produire de la précarité, du chômage, de l'exclusion, des ghettos urbains, de la grande pauvreté? En boutade, je dis souvent que si les pauvres étaient moins pauvres, évidemment, leurs enfants viendraient à l'école avec une plus grande égalité de droits. Je rappelle aussi la fameuse citation de Jean Jaurès en 1906, je cite, « Quiconque ne rattache pas le problème scolaire ou plutôt le problème de l'éducation à l'ensemble du problème social se condamne à des efforts ou à des rêves stériles. » Alors, moi, je ne veux évidemment pas dire qu'il est impossible d'agir, parce que l'école porte sa part de responsabilité et elle pourrait, j'en suis convaincu, mieux combattre pour ce qui la concerne les inégalités scolaires. Et c'est ce que je ne cesse de dire, en fait, depuis de nombreuses années. Alors, on peut prendre quelques exemples. Quelle fraternité budgétaire, et ça, on pourrait le changer, quelle fraternité budgétaire dans un pays qui dépense plus pour scolariser ses élites héréditaires que pour la réussite scolaire de tous? Quand on dépense 45 fois plus pour l'accompagnement éducatif des étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles que pour l'accompagnement éducatif des élèves de l'éducation prioritaire, on voit bien qu'une partie de la population a capté à son profit, au profit de ses seuls enfants, une part importante du budget d'éducation nationale et qu'elle est bien décidée à défendre ses privilèges. Parfois, en étant un peu provocant, je me demande qui sont les assistés dans ce pays. Comment prévenir les difficultés scolaires dès le début de la scolarité dans un pays qui dépense moins que les autres pays pour son école primaire, mais beaucoup plus pour son lycée? On marche sur la tête, on se plaint des résultats de nos élèves à PISA quand ils ont 15 ans, mais c'est très tôt que les difficultés scolaires ont commencé. Et donc la priorité à l'école primaire engagée en 2012, poursuivie depuis, doit absolument être accentuée. Autre exemple, quelle fraternité dans un pays qui a fait du temps scolaire à l'école primaire une exception mondiale, un fardeau dont se débarrassent les adultes en concentrant le temps scolaire sur 4 longues journées, alors que cette question est essentielle pour les enfants les plus fragiles? Qui se soucie aujourd'hui de ce que font les enfants des pauvres la matinée où ils ne sont plus en classe, eux qui ne sont pas au conservatoire, au tennis club ou dans une officine de soutien scolaire privée et payante? Faute de payer convenablement les enseignants du primaire, on leur donne du temps pris sur le temps scolaire des enfants. Comment prétendre à une citoyenneté partagée par la jeunesse quand une partie d'entre elles, autre exemple, se rend très vite compte que le collège qui l'accueille n'a pas été pensé pour tous, mais uniquement pour les enfants, les élèves qui sont programmés pour la voie générale du lycée? De façon générale, et j'arrête là mes exemples, comment est-ce qu'on peut expliquer que chaque fois dans ce pays qu'on veut progresser dans la démocratisation de la réussite et dans la mise en œuvre, par exemple, dans la scolarité obligatoire d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, on soit immédiatement accusé d'égalitarisme, hein, quelle insulte, égalitarisme, ou de nivellement par le bas. Le bas, c'est-à-dire le peuple, hein, le bas, hein, quel mépris. Et ce qu'il faut aussi constater, c'est que les milieux populaires sont absents des débats publics, des médias, du Parlement, des partis politiques, et de plus en plus d'ailleurs des participations électorales, et n'ont pas les moyens de peser sur les politiques publiques concernant les enfants. En fait, l'école, comme je l'ai dit dans le titre de mon dernier ouvrage, l'école n'est pas faite pour leurs enfants. Et ça vient de loin, de très loin, dans l'histoire de notre système éducatif. Et donc, je vais en terminer par là. Je crois qu'au moment où on se prépare, vous l'avez dit, à de nouvelles échéances électorales,
je crois qu'on ne pourra pas dire, je suis même sûr qu'on ne pourra pas dire qu'il suffirait de revenir sur certaines mesures prises depuis 2017 pour aller vers une école plus sociale et plus fraternelle. C'est pourquoi également, parce qu'il existe une lutte des classes au sein de l'école qui ne dit pas son nom, les programmes pour une réforme de l'école ne peuvent pas se réduire à un seul travail d'expert, aussi compétent soit-il. Ces programmes doivent être portés par une opinion publique qu'il faut préparer en cela par un débat préalable au sein de la société tout entière. Et les milieux populaires eux-mêmes doivent être mobilisés de manière à créer un rapport des forces qui leur soit davantage favorable dans les politiques éducatives. Donc c'est l'ambition de mon travail et de ce dernier ouvrage en particulier que d'y contribuer. On n'y trouvera pas un énième plan pour l'école, ni un passage en revue de toutes les questions, mais on pourra y puiser beaucoup plus modestement et sans doute plus utilement une analyse des principaux obstacles à la réussite de tous, et on pourra y trouver quelques pistes de réflexion pour l'action. Il ne s'agit pas donc d'un travail de déploration, puisque chaque parti renvoie autant de points de vigilance et donc des possibilités d'action. J'insiste là-dessus, hein. Il faut absolument que notre pays parvienne à mettre en œuvre cette politique de lutte contre les inégalités à l'école et qu'elle puisse le faire dans la durée, à partir d'un consensus permettant de déployer des politiques sur un temps long, quelles que soient les alternances politiques. Ça nous permettrait de bâtir une école jusqu'au bout, en quelque sorte. Et là, je fais écho à la belle formule de Jaurès qui parlait, s'agissant de la République sociale, d'une République menée jusqu'au bout. Et je rappelle aussi que c'est Saint-Antoine de Saint-Exupéry qui disait, je le cite, « Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture ». Donc il y a urgence à bâtir cette école plus fraternelle. Les milieux populaires, je l'ai dit, ne pèsent pas sur les politiques scolaires, mais les milieux populaires ne sont pas aveugles. Et ils voient clairement les injustices qui sont à l'œuvre dans notre école. Je crois qu'il faut qu'on mesure bien que cette situation met en danger la cohésion de notre pays. Et si on ne va pas résolument vers davantage de justice à l'école en faveur des plus démunis, eh bien on court le risque de voir surgir des mouvements sociaux qui ne se borderont pas à l'occupation de quelques ronds-points. Je crois que ça, personne ne peut le souhaiter. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour concevoir une école pour tous, c'est-à-dire une école faite pour les pauvres aussi, mais le temps presse. Merci beaucoup, Monsieur Delahaye, pour cette introduction. Je retiens le « quand on veut, on peut », évidemment, que la réussite qui doit être surtout pédagogique, les pauvres qui restent à leur place. Et pour continuer cette discussion, je propose que Marie-Johanna Chanlon intervienne maintenant et vous interpelle sur votre livre et sur vos propos. Marie-Johanna. Merci beaucoup. Alors déjà, je vous remercie de cette introduction parce que ce que vous venez de dire fait extrêmement écho par rapport à mon parcours scolaire et à mon parcours professionnel. Je m'y retrouve énormément. Alors je voulais vous interpeller aussi par rapport à la formation des enseignants. Donc c'est seulement le développement des politiques de démocratisation qui ont été initiées dans les décennies d'après-guerre que la problématique des inégalités va pénétrer en fait la recherche en éducation et aussi le débat public, en initiant des mouvements d'affinement, des outils, des résultats qui vont se prolonger et qui se prolongent aujourd'hui. Comme beaucoup d'enseignants, la question de la formation des enseignants est au centre de mes préoccupations. Et en effet, on constate de plus en plus qu'une grande majorité des enseignants, en particulier les jeunes, expriment le besoin d'être formés aux pratiques pédagogiques permettant de réduire en fait les inégalités scolaires et ainsi faire évoluer leurs pratiques. Bon nombre recourent aussi à une formation, personnel sur Internet afin de pallier la carence que nos académies ne nous offrent pas forcément. Alors, n'y a-t-il pas, alors ma première question sera, n'y a-t-il pas une orientation de la formation au métier à donner et ainsi à acquérir des méthodes de travail différentes qui sous-entend que cette formation soit une vraie formation continue, moins universitaire, basée sur un travail en équipe, accompagné de praticiens compétents
avec un vrai temps dédié et une vraie valorisation professionnelle de ces formations. Ensuite, j'aurais une autre question, toujours sur le thème de la formation des enseignants. Pouvons-nous vous poser la question suivante? Est-ce que les enseignants sont formés pour réduire les inégalités? Est-il possible de changer le système éducatif en accompagnant les acteurs de terrain? Pour terminer, les croyances des professeurs. En fait, je mets le doigt aussi sur la méritocratie qu'on peut souvent entendre en salle des professeurs. On sait que ça a des effets néfastes sur les élèves. Et ma question, c'est ont-ils un impact sur les pratiques des enseignants? N'y a-t-il pas un paradoxe entre de la méritocratie à la française? Et comment le contexte de la salle peut-il de la salle de le contexte de la salle des profs peut-il impacter les écarts de niveau d'origine sociale? Et voilà à peu près toutes les questions que je voulais vous proposer. Et pour ça, pardon, j'interviens en vous demandant d'abord à tout le monde de faire attention que nous avons tout de même un temps limité. Voilà, Monsieur Delahaye. Donc, vous me donnez 4 heures pour répondre à cette question très simple. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, je crois qu'il faut qu'on soit bien au clair pour dire que vous parlez d'accompagnement des enseignants. Je pense qu'il faut qu'on se dise, ce n'est pas dans votre question, mais c'est ma réponse. Accompagner les enseignants, ça va commencer par notre pays, par mieux les considérer. Voilà, la revalorisation salariale du métier de l'enseignement et de l'éducation, ça doit être une priorité nationale quand on voit à quel point les salaires ont été dévalorisés depuis une quarantaine d'années. Et s'il faut poser la question légitime de l'organisation et du temps de travail des enseignants, à mon avis, ça ne peut être que dans un deuxième temps, après une revalorisation sans condition, une remise à niveau sans condition du niveau salarial des personnels d'enseignement et d'éducation. On ne fera rien sans cela. Sur la question de la formation, je vais commencer peut-être par dire quelque chose qui va surprendre tout le monde, mais si on prend les critères de l'OCDE, et c'est Éric Charbonnier qui fait de magnifiques travaux sur le sujet, les enseignants français sont hautement qualifiés. Je laisse un point de suspension. Selon effectivement les standards internationaux, puisque j'ai les chiffres sous les yeux, 70% disposent d'un diplôme de master ou plus, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, 45%. Mais, parce qu'évidemment il y a un gros mais, ils sont beaucoup moins bien préparés sur le volet pédagogique, hein, puisque quand on regarde les enseignants de collège, seuls 66% d'entre eux ont reçu une formation pédagogique concernant leur métier, contre plus de pratiquement 80% au sein de l'OCDE. Et donc ce manque de formation pédagogique est évidemment un obstacle à la réussite de tous les élèves. Et on peut prendre quelques exemples parce qu'on n'a pas effectivement beaucoup de temps. Mais si vous regardez le temps que nous consacrons aujourd'hui dans la formation initiale des professeurs des écoles au complément de polyvalence, qui est la caractéristique, la polyvalence de ce métier professeur des écoles, dont les futurs professeurs des écoles viennent aujourd'hui d'horizons universitaires très divers, eh bien ce complément de polyvalence est aujourd'hui très insuffisant. La formation pédagogique des enseignants du premier degré n'est pas suffisante pour qu'ils démarrent leur carrière dans de bonnes conditions. Ça, c'est un rapport de l'inspection générale de 2013 qui le disait, où on a des enseignants qui ont beaucoup de difficultés à maîtriser les savoirs fondamentaux, disciplinaires, didactiques, des disciplines, notamment du français et des mathématiques qu'ils enseignent. C'est d'ailleurs pourquoi on avait imaginé en 2012 de revoir la manière dont on recrute les professeurs des écoles avec un concours après la licence pour leur donner 2 vraies années qui conduisent au master naturellement, 2 vraies années de formation professionnelle. Ce projet n'a pas vu le jour. Je pense que tôt ou tard, il faudra y revenir. Dans le second degré, les enseignants de collège, je l'ai montré dans mon rapport, mais c'est connu de tout le monde, sont souvent démunis aujourd'hui pour enseigner de façon différenciée à des effectifs d'élèves hétérogènes. Démunis pour identifier les difficultés, les prévenir, les traiter. Bien sûr, ces points sont abordés dans les ESPE et maintenant dans les INSPE, mais ils sont encore trop souvent abordés de façon théorique et en tout cas sans lien avec les enseignements disciplinaires ou tout simplement la vie de l'établissement. Si je veux me faire comprendre, je dirais que je pensais à cette question.
Combien de temps faudra-t-il pour reconnaître qu'enseigner la spécialité mathématiques en terminale et enseigner les mathématiques dans une classe de sixième hétérogène, ben, ce n'est pas le même poste de travail et que donc ça ne peut pas être exactement la même formation. Quand j'ai rencontré beaucoup d'enseignants à l'occasion de mon rapport en 2015, ils m'ont exprimé beaucoup de besoins en formation initiale et en formation continue, et notamment comment est-ce que l'on peut accéder à la compréhension et à l'explicitation des apprentissages. Quels gestes pédagogiques pour expliciter les apprentissages? Comment aider les élèves à entrer dans l'abstraction? Comment gérer l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap? Comment intégrer l'aide aux devoirs à la journée de classe ordinaire? Comment utiliser le numérique? Quelle relation avec les parents et la connaissance des milieux populaires? Comment conduire tout simplement des entretiens avec des familles qui viennent du milieu de la pauvreté? Donc, c'est effectivement tout cela qui, aujourd'hui, est trop souvent absent de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. Vous parlez de méritocratie. Je veux vous répondre sur ce sujet aussi. Je peux vous répondre en citant Marie Duruella, qui a, comme vous le savez, fortement travaillé sur le sujet, qui dit en substance, s'agissant de la méritocratie, qu'on a tous besoin de cette croyance en un monde juste, je la cite, qui conduit à penser que les gens obtiennent ce qu'ils méritent et méritent ce qu'ils ont. Ah, c'est ce que les sociologues appellent la fiction nécessaire. Alors, si on était tous égaux en droit, la méritocratie consisterait à reconnaître le travail, les talents de chacun, et non le privilège de la naissance ou de son milieu social, bien sûr. Et ça poserait finalement pas de problème. Moi, si je me reconnais personnellement, pardonnez-moi de parler de moi, mais si je me reconnais dans ma scolarité un certain mérite dans mes études parce que j'ai travaillé, bah, je ne suis pas dupe de ce que l'idée de méritocratie cache tout de même de malsain dans un monde d'inégalité où certains sont favorisés dans leurs études et d'autres sont au contraire empêchés dans leurs études. Quel mérite supérieur à d'autres y a-t-il à réussir quand on hérite d'un capital culturel, d'un réseau de relations? Lisez le sociologue Paul Pasquali qui vient de faire une très très belle étude sur l'héritocratie et qui décrit très très bien cela. Donc les difficultés des enfants de pauvres dans ce pays ne viennent pas d'un défaut de mérite. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'on fasse, pour reprendre les mots de Dubé, de ces enfants des vaincus hein, de la méritocratie. En fait, la méritocratie, elle a une face claire pour tous ceux qui en bénéficient, et puis elle a une face sombre pour tous les autres. Et donc, voilà, je ne veux pas être plus long parce qu'on m'a dit que le temps était compté. Je retiens simplement, parce que j'avais longuement auditionné à l'occasion de mon rapport, et j'apprécie beaucoup ses travaux, Stéphane Bonnery, qui m'avait dit, en tant que parents cultivés, et donc il parlait de nous, il parle de moi, il parle de vous, on ne va pas se culpabiliser, nous, d'être cultivés. Le problème surgit quand l'école considère que l'élève normal, c'est-à-dire nos enfants, sont la règle alors qu'ils sont statistiquement minoritaires. Et donc, attention avec ce concept de méritocratie. Merci beaucoup. J'ai voulu insister sur ce concept parce que je pense que c'est central et on doit y réfléchir. À côté de ça, je suis comme vous, hein, je pense que voilà, mon parcours, je l'ai mérité aussi. J'ai travaillé pour. Maintenant, ce que je déplore quelque part, c'est aussi... moi, j'ai eu un parcours particulier dans le sens que je n'ai pas passé les concours tout de suite. Je suis devenue enseignante, j'ai appris à devenir enseignante et après, j'ai passé le concours. Et en tant qu'ancienne contractuelle, il y a une énorme carence de ces professeurs. Et là, on est dans un contexte particulier où on engage beaucoup de personnes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas été à l'INSPE ou l'ESPE, et qui donc sont perdus, qui se prennent une gifle. Moi, j'ai des collègues qui me disent « mais en fait, je ne m'attendais pas à ça », qui n'ont pas l'habitude, par exemple, je travaille dans le pro, donc qui ne s'attendent pas à se retrouver face à un public d'élèves en pro. Donc, voilà, en fait,
tout ce, le terme de méritocratie est concentré et concentre tout ça, en fait. Oui, bien sûr, en ajoutant d'ailleurs que ces enseignants contractuels, on les rencontre quand même plus rarement dans les établissements de centre-ville où les parents savent se défendre. Par contre, on les rencontre beaucoup plus souvent, effectivement, dans l'enseignement professionnel ou dans des établissements de l'éducation prioritaire. Moi, je me souviens très bien d'un collège, quand j'étais inspecteur d'académie en Seine-Saint-Denis, à Stein, où les 5 postes de professeurs de mathématiques étaient tous pourvus par des contractuels. Jamais cette situation ne se trouverait dans un collège de centre-ville sur la montagne Sainte-Geneviève. Tout à fait. Merci pour vos interventions à tous les deux. Dans votre livre, vous parlez d'ailleurs de l'ascenseur social d'une manière que j'ai beaucoup appréciée. C'est en disant qu'on n'entre pas dans une cabine qui arrive toute seule en appuyant sur un bouton qui vous envoie tout seul au bon niveau. C'est souvent un escalier, une échelle, voire une corde à nœuds voilà, qu'il faut emprunter pour monter. Oui. Et il n'y a pas tous les barreaux. Gwenaëlle, maintenant, je te propose de continuer notre débat avec M. Delahaye. Oui, et donc moi je voulais rentrer un peu dans le détail sur la mixité sociale. Vous l'avez dit, hein, la mixité sociale, en gros, on est tous pour, sauf quand nos propres enfants sont concernés. Donc, les enfants d'enseignants sont très présents en classe prépa. Et puis, les élèves issus de la grande pauvreté, ils remplissent plutôt les classes de SECPA, quoi. On a des chiffres entre 75 et 86 %, moi, j'ai trouvé, en SECPA. Donc, vous avez dit aussi que la question, elle est culturelle. C'est comment travailler contre l'idée que mélanger les élèves, ça tirerait les plus à l'aise vers le bas, hein, selon l'expression consacrée. Mais elle est aussi structurelle, en fait, cette question. C'est-à-dire, comment on la met en place et comment on la fait vivre vraiment cette mixité sociale. Moi, j'ai pu observer au niveau du ministère qu'il y a le grand poids des corporatismes syndicaux, par exemple. Quand il s'agit de s'attaquer à ces filières ségrégatives, on a beaucoup de mal à se placer du point de vue des élèves. Hein, c'est, pour être très concret, c'est « touche pas à mon poste, touche pas à mes primes, touche pas à mes programmes », quoi, par exemple. Mais la question, c'est quels sont les autres obstacles que vous avez pu constater en étant au poste de DGESCO. Ensuite, au niveau d'un territoire plutôt, est-ce qu'on l'impose, cette mixité? Et si oui, comment? Parce que pour changer d'avis sur le fait que la mixité sociale elle tirerait vers le bas, en fait, il faut l'avoir vécu. Il faut y avoir goûté. Donc, est-ce qu'on peut pas, on pourrait pas un peu forcer à y goûter, quoi, comme un gamin à qui on dirait, allez, tu goûtes avant, quoi, faut goûter. J'ai en tête pour ça l'exemple de la mixité homme-femme à l'Assemblée. Il y avait des grosses réticences, pour ne pas dire plus, hein, contre les quotas. Mais on peut dire aujourd'hui que ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Voilà. Donc, et puis, en même temps, parce que rien n'est simple, au niveau d'un établissement, il ne suffit pas de mettre les élèves les uns à côté des autres pour que l'enrichissement mutuel se fasse par magie, advienne par magie. Donc, quels dispositifs sont à mettre en œuvre, pour résumer, à la fois au niveau ministère, territoire, établissement. Voilà. Pareil, j'ai 4 heures. Oui, c'est ça. À peu près. Voilà. Alors, il faut dire que je reprends tout le monde sur le chat privé pour dire attention au temps, voilà. Et donc, je joue le rôle de père fouettard Moi, je crois qu'on est, on est tous bien d'accord. Ce dont ont besoin les enfants des familles pauvres, et moi, je ne cesse d'enfoncer le clou, c'est que cesse en effet la ségrégation sociale et scolaire qui les empêche d'apprendre avec les autres. Ce qu'il faut savoir, mais que vous savez, que tous les citoyens savent, c'est que sous les effets de la ségrégation résidentielle, sous les effets de l'insuffisance des politiques publiques, certaines parties de notre territoire sont en effet devenues, et malgré les efforts des personnels, des zones de grandes difficultés pédagogiques. Moi, je me souviens de ces enseignants qui m'ont dit, je les cite, « Ce qui est difficile, c'est l'hétérogénéité. » Oui, c'est difficile, mais quand il n'y en a pas, c'est dramatique. Parce que le levier, le moteur dans la classe, c'est le décalage. J'ai beaucoup apprécié cette réflexion d'enseignants. Et donc, après des dizaines d'années au cours desquelles les politiques publiques ont laissé se concentrer dans certaines parties du territoire des populations de milieux populaires, eh ben, la carte scolaire est devenue la partie visible
au sein du système éducatif des clivages sociaux et ethniques de la société. Et donc, si le besoin de mixité sociale et scolaire est tellement évoqué aujourd'hui, c'est que cette ségrégation résidentielle, de fait, s'est installée. Il faut donc qu'on soit bien clair entre nous que, et je vais en parler, que les différentes mesures, y compris celles que j'ai pu voir en tant que DGESCO, qui favorisent la mixité sociale et scolaire, il faut les prendre, bien entendu, mais elles n'auront de sens que si elles sont portées dans le même temps par une autre politique d'urbanisme. On nous parle de communautarisme, mais le communautarisme, il est aussi dans ces communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'avoir leur quota de logements sociaux. Et évidemment, il sera très difficile d'instaurer de la mixité sociale et scolaire avec une telle sécession. Je parle là de l'expression, je reprends l'expression de Jérôme Fourquet de l'IPFOP, hein, qui parle de sécession des riches dans une note qu'il a remise à la Fondation Jean Jaurès. Parce qu'en fait, et je réponds là à votre question, à une partie de votre question, on sait, parce que tout ça est parfaitement documenté, et notre grand spécialiste français en la matière, qui est Choukri Benayed, avec lequel d'ailleurs j'ai commis un ouvrage chez Berger-Levrault sur la grande pauvreté, justement, et les inégalités à l'école, il n'arrête pas de nous le dire, lui et d'autres chercheurs, il est maintenant bien établi que la mixité sociale est protectrice pour les élèves pauvres. Ce que nous dit aussi l'OCDE, parce que ça aussi, c'est très documenté, c'est que non seulement l'hétérogénéité des classes aide davantage les plus faibles, mais ne pénalise pas les plus forts. Et donc, c'est très contre-intuitif hein, pour une catégorie de la population qui pense que ces enfants vont être tirés vers le bas s'ils fréquentent des enfants d'une autre classe sociale. Donc, en effet, beaucoup de la mixité sociale, scolaire, a suscité dans notre pays beaucoup de belles attentions, ça, il ne faut pas le nier, mais assez peu de réalisations en fait. Et il a fallu attendre, pardonnez-moi de le rappeler, la loi de refondation de 2013 pour que la mixité sociale et scolaire soit inscrite comme obligation légale et comme objectif des établissements scolaires. Alors, ce qui est compliqué avec la mixité sociale, faut-il la décréter ou pas, dites-vous, c'est qu'elle est bien sûr une condition nécessaire à la réussite de tous, mais qu'elle est aussi une conséquence de politiques volontaristes d'égalisation de la qualité de l'offre de formation, de la qualité de l'encadrement pédagogique, de la qualité de la vie scolaire dans l'établissement. Vous l'avez dit, chacun veut la mixité scolaire en principe, mais si possible pas dans le collège de ses enfants, parce qu'en fait, les classes moyennes, les classes favorisées, ne scolariseront jamais de gaieté de cœur et de façon obligatoire leurs enfants dans des établissements où trop de professeurs, on l'a dit tout à l'heure, sont des contractuels, peu formés, pas remplacés quand ils sont absents, et surtout quand l'existence d'un enseignement privé largement subventionné par les fonds publics offre des possibilités d'échapper à la mixité. Et donc, ce phénomène d'évitement d'ailleurs, hein, pour aller dans le public par dérogation officiellement accordée ou pour aller dans le privé d'ailleurs, comme vous le savez, ça ne touche pas seulement les classes aisées et moyennes, mais c'est de plus en plus le cas pour certaines familles de milieux populaires. Donc, pourquoi je dis cela? Je dis ça parce que ce n'est pas à l'usager de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, mais c'est à l'État de garantir de bonnes conditions de scolarisation à tous les enfants. Ça a été dit de façon très claire dans le rapport Tello en 2004, qu'il faut relire, parce que je crois que malheureusement, presque 20 ans plus tard, il est encore d'actualité, pour éviter, dit le rapport Tello, que l'école n'ajoute elle-même aux inégalités, il faut que l'offre éducative, option, enseignant, chef d'établissement, cadre physique, ne soit pas de moindre qualité dans les quartiers ou pour les élèves défavorisés que pour les autres. Et donc, en effet, la mixité sociale ne peut pas se décréter parce que tant que ces conditions ne sont pas réunies, on n'aura pas l'adhésion de toute la population. Et je pense qu'on en sait quelque chose dans les quartiers nord de Marseille ou en Seine-Saint-Denis. On sait ce qui ne marche pas. Et là, je reviens avec ma casquette de DGESCO que j'ai. On sait ce qui ne marche pas pour instaurer ou restaurer de la mixité sociale et scolaire. Ce qui ne marche pas, ce sont les politiques d'assouplissement de la sectorisation
telles qu'on a pu en voir, par exemple, en 2007-2008, hein, qui donnent plus de libre choix aux familles. Ça ne marche pas parce que ce sont toujours les familles de boursiers qui n'en profitent pas et toujours les familles de non-boursiers qui profitent de l'allègement de cette sectorisation. Ça place les établissements en compétition les uns avec les autres, ça place les établissements dans une logique marchande et donc ça a pour conséquence la fragilité de toujours les mêmes établissements qui étaient déjà fragiles avant les assouplissements. Au contraire, des politiques régulées de modification de sectorisation, ce qui n'est pas la même chose, conduites avec les élus, conduites avec les représentants de parents d'élèves, avec le représentant bien entendu des personnels, par exemple à l'occasion de la partition d'un collège trop important ou à l'occasion de la reconstruction d'un établissement dans une ville, eh bien ça peut contribuer à enrayer un processus d'homogénéisation de la population scolaire et maintenir un minimum de mixité sociale et scolaire. Ça, je l'ai vu à Amiens, par exemple, dans un collège qui a été reconstruit, un collège de l'éducation prioritaire et qui a été reconstruit et donc pour lequel tous les partenaires se sont mis autour de la table pour garantir à tous les citoyens une qualité de formation, ce qui a permis d'intégrer d'ailleurs dans le secteur de recrutement de ce collège une école de centre-ville. Donc, il faut de la détermination. Il faut de la patience, il faut beaucoup de concertation pour conduire ce genre d'opération parce que c'est jamais facile de tracer un périmètre de recrutement destiné à faire vivre ensemble des populations différentes. Il y a un équilibre à trouver entre le vœu des familles qui veulent la liberté de choisir le meilleur pour leurs enfants et l'obligation qui est la nôtre, au nom de l'intérêt général, d'encadrer cette liberté pour préserver un minimum de mixité sociale et scolaire. Et donc, si ce travail d'homogénéisation de la qualité de l'offre scolaire est effectué au préalable, alors les secteurs multicollèges, par exemple, qu'on a créés, j'ai créé en tant que DGESCO dans un décret qui est paru en 2014, eh bien ces secteurs multicollèges peuvent donner de bons résultats, comme on le voit à Paris, hein, ça a été mis en place à partir de 2016, ou encore à Toulouse, avec un magnifique travail partenarial conduit par les autorités académiques, les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires. Et de même, il faut suivre avec attention parce que c'est prometteur le nouveau dispositif d'affectation à FNET qui est mis en place à Paris pour intégrer dans le jeu les lycées prestigieux. Ce qu'il faut retenir, et je termine par là, parce que je vois l'impatience du responsable, c'est que toutes les sophistications que l'on pourra apporter aux procédures d'affectation des élèves, tout ça va être très utile. Et ça va réduire évidemment la ségrégation scolaire. Mais ce qui va réduire encore plus sûrement la ségrégation scolaire, ce sont les politiques qui vont lutter contre les hiérarchies et les clivages entre établissements. Autrement dit, qu'on cesse d'implanter les SECPA, les ULIS et autres UP2A toujours dans les mêmes établissements et les classes à horaires aménagées et musique, par exemple, ailleurs. Enfin, la réflexion sur plus de mixité sociale et scolaire dans notre pays ne peut pas s'envisager sans éluder la question de la participation de l'enseignement privé, et largement subventionné, comme je l'ai dit, par l'argent public, au scolariser ensemble, sachant qu'il y a bien sûr une liberté de l'enseignement, il n'est pas question d'y toucher, mais il est quand même possible, je pense, et c'est les préconisations que moi je fais depuis longtemps, de moduler l'attribution des moyens aux établissements privés en fonction du degré de mixité sociale et scolaire qu'ils ont dans leur établissement, premièrement. Deuxièmement, possible aussi de moduler les moyens pour prendre en compte les efforts effectués ou pas par le privé pour faire cesser, par exemple, les dysfonctionnements qui viennent entraver l'objectif de mixité sociale, que sont, par exemple, les évictions d'élèves fragiles en cours de scolarité, ce qui permet de se fabriquer à bon compte des taux de réussite faramineux aux examens. Merci, Monsieur Delahaye. Je suis très sensible à votre prise en compte de mes angoisses temporelles. nous sommes bien dans les temps et je vais maintenant passer la parole à Yves Reuter qui va poursuivre cette discussion. Yves, à toi. Rebonjour, Jean-Paul Delahaye. Merci. Bonjour. Pour votre action, votre rapport, hein, qui est un grand rapport, je crois, vos ouvrages. Alors, j'ai deux questions dont je souhaite discuter avec vous. Les deux questions ne sont pas sans rapport. Hein. Alors, la première question concerne ce que je considère en matière d'institution scolaire comme un mal français,
partagé aussi bien par la droite que par la gauche. C'est-à-dire la volonté qu'a chaque ministre de vouloir réformer de manière importante en s'opposant à ce qui a été mis en place avant lui, en le faisant de manière massive, sans évaluation progressive, sans durée conséquente de formation des maîtres préalables. Du coup, ma question là, et je rebondirai sur cette première question après vos éléments de réponse, donc est-ce que vous pensez vraiment que c'est la meilleure méthode pour faire bouger les choses ? Vous posez là, cher Yves Rotter, une vraie question qui me soucie et qui soucie tout le monde depuis très très longtemps. C'est un mal français, c'est aussi, moi je la caractériserais comme une incapacité, au moins à deux niveaux. D'abord, et je l'ai laissé entendre dans mon introduction tout à l'heure, une incapacité à construire un diagnostic partagé sur l'état de l'école. Un diagnostic partagé parce que documenté et pas susceptible d'être faussé par des a priori, des fantasmes ou des nostalgies, comme malheureusement on est en train de le voir dans cette campagne présidentielle. Alors, ce n'est pas faute d'essayer à certains moments de poser ce diagnostic. J'ai parlé tout à l'heure du rapport Tello en 2004. On pourrait citer la commission Châtel en 2011 sur les rythmes scolaires qui avait abouti, je crois, à un consensus, ou encore à la concertation en 2012, au préalable à la refondation. Mais ça n'a jamais servi à poser un diagnostic réellement partagé par l'ensemble des citoyens et de la classe politique. Et à partir du moment où on n'a pas ce diagnostic partagé, et donc c'est la conséquence de ce que je suis en train de dire, eh bien on a une incapacité ensuite à définir de grands objectifs que la nation pourrait se fixer et qu'elle développerait dans le temps au-delà des alternances politiques. Et vous avez parfaitement raison. On met toujours en exemple un certain nombre de pays comme la Finlande, etc. Ce qu'on oublie de dire aux citoyens, c'est que ces pays, ils ont pris un certain temps. Ils se sont posés, ils ont fixé des objectifs, ils s'y sont tenus pendant des dizaines d'années. Il n'est pas complètement anormal de considérer qu'aujourd'hui, ils ont de bons résultats grâce à cela. Et donc, qu'on ne parvienne pas à établir dans notre pays, la France, ces politiques au-delà des alternances politiques ne peut manquer d'interroger s'agissant d'un sujet aussi important pour la nation qu'est le sujet quand même éducatif. Là encore, il peut y avoir des exceptions, mais elles ne sont jamais vraiment valorisées, tant certains responsables ont parfois du mal dans ce pays à considérer que des choses intéressantes ont été effectuées avant eux. Là, pardonnez-moi, je vais encore parler de ce qu'on a fait après 2012, mais bon, comme les gens ont la mémoire courte, c'est peut-être pas inutile de le rappeler. En 2012, c'est parce que Vincent Peillon a pris appui, en leur rendant hommage, ce qui est quand même exceptionnel dans notre pays, sur les travaux de Luc Châtel et de Xavier Darcos sur le décrochage scolaire, qu'il a été possible de poursuivre, d'amplifier une politique qui a fait baisser le décrochage. On pourrait dire la même chose du socle commun, mise en place par la loi Fillon de 2005 et qu'on n'a certainement pas balayé en 2013, qu'on a au contraire retenu pour le faire progresser, pour l'actualiser en socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais ces exemples-là sont trop rares. Et donc, en effet, à chaque nouveau gouvernement, à chaque nouveau ministre, des nouvelles mesures sont imaginées et les anciennes sont supprimées, vous l'avez dit, sans évaluation. Et on en sait quelque chose pour le plus de maîtres de classe qui a été remplacé par le dédoublement des classes de CP et de CE1. Si j'en parle, c'est que la période actuelle est de ce point de vue caricaturale. Est-ce qu'il est vraiment si difficile de reconnaître que l'an 1 de l'école n'est pas 2017, mais qu'il s'est fait des choses intéressantes avant ? Donc voilà, vous avez raison, et je pense que ce mal français, il vient de ce défaut de diagnostic, et comme on n'a pas de diagnostic partagé, on ne peut pas avoir de politique se fixant, moi, 2, 3, 4, 5 grands objectifs, et on s'y tient, quelles que soient les alternances, parce que ne nous leurrons pas, pour rétablir un minimum d'égalité dans l'éducation, c'est pas un quinquennat hein, qui est nécessaire, mais ça va évidemment bien au-delà. Merci. Je vous pose le deuxième étage de ma première question, hein, sachant qu'il y a une deuxième question derrière, Jean-Paul, pour, voilà, pour calculer le temps. Le deuxième étage, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas, dans les différentes réformes, un problème d'articulation entre ce qui relève des visées ministérielles hein, et bon, de ce qu'on appelle des réformes ou ce
comme on le veut, et puis le soutien aux multiples expérimentations du terrain. Est-ce que là, il n'y a pas une difficulté à résoudre cette tension-là dans les politiques ? Oui, bien sûr. Vous avez complètement raison. La question, parce que comme encore une fois dans mon rapport comme dans mon livre, rien n'est découvert parce que des écoles, collèges et lycées ont travaillé et depuis longtemps à la réussite de tous les élèves. Et j'en cite quelques exemples, on pourrait y revenir tout à l'heure, bien sûr. La recherche nous livre aussi des résultats qui sont parfaitement documentés. Donc la question dans notre pays est de savoir comment on peut généraliser ce qui marche, comment on peut lever les blocages, comment mieux soutenir les équipes qui innovent. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans les différents postes que j'ai pu occuper, c'est bien d'observer combien l'action en faveur de la réussite de tous les élèves est aléatoire dans notre pays. Trop dépendante, bien sûr, des politiques publiques, mais aussi pour les élèves de leur lieu de scolarisation. Dépendante de la capacité ou non des acteurs locaux, que ce soit les personnels de l'éducation nationale, mais aussi des partenaires, à créer ou non une culture de collaboration, une dynamique collective pour la réussite de tous. L'éducation nationale, et là je reprends les propos de Condorcet, l'éducation nationale, ça ne peut pas être une sorte de loterie pour les enfants du peuple. Ce n'est pas la loterie nationale. Il faut donc garantir pour les enfants du peuple une égalité des droits sur l'ensemble du territoire. Et donc là, évidemment, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a ce défaut d'articulation entre ce qui peut marcher sur le terrain et ce qui pourrait être, d'une certaine manière, préconisé ensuite au niveau national. Et c'est là qu'il faut réinjecter dans notre discussion la question de la formation initiale, la question de la formation continue, de l'ensemble des personnels, et j'y inclus bien sûr les personnels de direction et les personnels d'inspection. Donc, voilà, je n'ai pas la réponse miracle à votre question. Je ne peux, comme vous, que constater qu'on a cette difficulté qui nous amènerait sans doute, et là on est entre nous, on peut se le dire, à réfléchir ensemble, mais posément, sur ce qu'est la liberté pédagogique. Sur ce qu'est la liberté pédagogique. Moi, la liberté pédagogique ne me pose strictement aucun problème. Au contraire, quand il s'agit de choisir localement les voies et moyens les plus utiles pour la réussite de tous les élèves, et la modestie a conduit à dire qu'il n'y a pas une seule façon, évidemment, de faire réussir les élèves. Donc ça ne pose aucun problème. Et la liberté pédagogique, de ce point de vue, est une richesse. Mais la liberté pédagogique me pose problème, et j'ai été inspecteur sur le terrain, je suis allé dans les classes, quand effectivement on voit que telle ou telle méthode ne peut pas, par définition, conduire à la réussite de tous les élèves. Et donc là, d'une certaine manière, il faut interroger cette liberté pédagogique. J'en viens à ma deuxième question, qui concerne les dispositifs et démarches pédagogiques qui, selon vous, marchent mieux auprès des élèves issus de la pauvreté ou de la grande pauvreté. Donc, vous aviez donné quelques exemples, hein, notamment dans le rapport sur la grande pauvreté. Et est-ce que vous pouvez revenir brièvement dessus et faire un pas de plus, si ça ne vous ennuie pas, en précisant pourquoi, selon vous, ils sont efficaces, ces dispositifs ? Très bien. Sachant que je m'adresse à quelqu'un qui connaît parfaitement la question, Cheryl, et vous avez évidemment les réponses à la question que vous me posez. Ce que je peux simplement dire, effectivement, et avec mon expérience à la fois de terrain et puis de responsabilité au niveau national, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on sait en gros ce qu'il faudrait faire. Dans les lieux, écoles, collèges et lycées, qui font honneur à l'école de notre République. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a dépassé dans ces lieux, depuis longtemps, des oppositions qui nous ont fait perdre beaucoup de temps, notamment les positions factices et stériles entre républicains et pédagogues. Pour transmettre des savoirs,
pour transmettre des valeurs à toute la jeunesse, et pas seulement évidemment à une partie d'entre elles, comme le regrettent les nostalgiques, eh bien il faut, bien entendu, des enseignants qui maîtrisent les contenus qu'ils enseignent, c'est la base de tout, mais il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enseignants formés à des approches pédagogiques diversifiées. Or, ce que je constate, c'est qu'il y a déployé par certains aujourd'hui une haine de la pédagogie. Et quand cette haine de la pédagogie est à ce point exacerbée par certains, c'est qu'elle prépare, n'en doutez pas, le retour à la sélection précoce des élèves. Ceux qui n'aiment pas la pédagogie n'ont jamais accepté, en réalité, la démocratisation de l'enseignement. Et d'ailleurs, il faudrait nous dire en quoi une école plus fraternelle, plus démocratique, ne serait pas une école républicaine. Et donc, en fait, j'en termine par là sur cette réflexion, le débat sur la pédagogie masque en fait un conflit sur la nature démocratique ou non de l'éducation nationale. Alors, les équipes d'école, d'établissement qui mettent en place une école fraternelle sont évidemment des équipes dont les pratiques sont conformes aux valeurs proclamées, c'est-à-dire en fait qu'elles promeuvent une éthique collective de l'action pédagogique autour de quelques principes comme celui-ci, la promotion de tous ne nuit à personne. Autrement dit, ce sont des équipes qui ont su trouver la force nécessaire pour s'opposer au sauf qui peut et au chacun pour soi dans l'école ou dans l'établissement, une stratégie qui, comme on le sait, profite toujours aux plus favorisés. Alors, on va prendre quelques exemples basiques. Ce sont des équipes qui veillent à la répartition des élèves dans des classes hétérogènes. Bon, le CNESCO a montré en 2015 que ce n'est pas le cas pour 45% des collèges qui devraient être uniques, qui, par le jeu des options, etc., n'ont pas de classes vraiment hétérogènes. Et je ne parle pas des 25% des collèges qui ont carrément des classes de niveau, ce qui est évidemment complètement illégal. Ce sont des établissements dans lesquels les emplois du temps des classes donnent la priorité aux intérêts pédagogiques des élèves. On ne donne pas nécessairement et systématiquement le cours préparatoire aux jeunes enseignants inexpérimentés. Ce qui n'est évidemment pas incompatible avec le souci de donner de bonnes conditions de travail aux enseignants. Ce sont des équipes qui veillent à ce que l'organisation des voyages scolaires ne mette pas en difficulté les familles modestes. Les listes de fournitures scolaires sont raisonnables. Elles sont élaborées collectivement, souvent en concertation avec les parents d'élèves. Ce sont des écoles et établissements qui font vivre le principe de coéducation et qui savent associer, faire participer tous les parents, quels qu'ils soient. Il favorise une alliance éducative entre tous les acteurs et partenaires de l'école. Mais au-delà de ces quelques exemples très, très pratiques, ce qui apparaît très clairement, et c'est sans doute là où vous vouliez en venir, ou que je vienne, c'est que dans ces écoles et établissements, au chacun pour soi et à la compétition, en gros c'est le cadre du fonctionnement actuel, eh bien, ils préfèrent des pratiques d'explicitation pour être sûr que tous les élèves fassent, que tous les apprentissages, pardon, fassent sens pour les élèves, et de coopération à tous les niveaux. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Collaboration entre les adultes de l'établissement, collaboration entre les élèves, et dans mon rapport et dans les travaux que je fais depuis, j'ai toujours plaisir à citer, par exemple, et parmi tant d'autres, ce lycée de Seine-Saint-Denis, où le projet pédagogique éducatif tout entier est basé sur la fraternité. C'est comme ça que c'est indiqué dans le projet de l'établissement. La coopération au service des apprentissages n'est nullement une utopie pédagogique. Alors, je l'ai montré dans mon rapport, mais ça fait écho à vos travaux, Yves Rotter, puisque, par exemple, l'école Freinet de Mont-Saint-Barœul a montré documentation à l'appui grâce à vous que la coopération la pédagogie coopérative est une pédagogie qui permet de faire réussir l'ensemble des élèves. Un des enseignements de PISA d'ailleurs, la dernière évaluation 2018, quand on lit dans le détail cette évaluation, en moyenne, nous dit cette évaluation, dans les pays de l'OCDE et dans 3 systèmes éducatifs sur 4, ce qui est quand même pas rien, je cite: les élèves obtiennent de meilleurs résultats en compréhension de l'écrit lorsqu'ils signalent également une plus grande coopération avec leur père, ce qui n'est pas le cas évidemment des autres dispositifs pédagogiques. Et donc, au-delà, et c'est sans doute là-dessus que moi je voulais insister, je pense en accord avec vous, c'est que finalement, grâce à cette pédagogie coopérative, nous donnons vie au pacte républicain. Parce que si on ne se paye pas de mots avec
la valeur fraternité et de notre devise, c'est bien à l'école que les citoyens doivent s'y préparer. Autrement dit, les approches pédagogiques que nous mettons en place à l'école, en fait, ça préfigure la société que nous voulons. Et donc, si nous voulons une société fraternelle, de liberté, d'égalité et donc de citoyenneté, il faut y préparer les enfants à l'école et les démarches pédagogiques ne sont, de ce point de vue, pas complètement innocentes. On pourrait dire la même chose de nos pratiques d'évaluation. Si on se satisfait d'une école qui trie et qui sélectionne, on ne change surtout rien au système actuel de notes et de moyennes. Si on veut une école qui encourage et qui fasse réussir l'ensemble des élèves, il faut sans doute qu'on réfléchisse à notre système d'évaluation. Voilà, donc je ne vais pas être plus long parce que je pense que j'ai déjà un petit peu débordé. Merci. Mais merci j'en profite beaucoup, hein. J'en profite pour renvoyer l'ensemble de l'auditoire à vos travaux sur l'école de Montfort-le-Rôle parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Merci. Merci à nos trois intervenants et à vous, Monsieur Delahaye, pour cette discussion passionnante. Ton ouvrage, Yves, a déjà été cité dans le chat par Ben. Je rappelle aussi que nous sortons un numéro, ça sera le 576 de mémoire, sur l'apprentissage de la coopération. Je dis bien apprendre la coopération aux élèves. Un numéro qui sera coordonné par Cyril Lascazis, Julie Lefort et Sylvain Connac, donc trois grands spécialistes de la coopération. Il est temps maintenant de passer à la dernière phase de notre... Si vous le permettez, Jean-Charles, je vais donner un autre exemple sur ce système-là parce que je crois qu'on est au cœur du sujet. Quand on a réformé, grâce au Conseil supérieur des programmes, les programmes d'enseignement moral et civique en 2015-2016, on a bien veillé à ce que ce ne soit pas simplement un discours descendant, mais qu'il y ait une réelle participation des élèves, notamment par exemple sur la question du règlement intérieur, hein, faire participer les élèves à l'élaboration du règlement intérieur. Ça ne veut pas dire que toutes les paroles vont se valoir, bien sûr, et on va vers un règlement intérieur, mais on y fait participer les élèves. Dans la réforme qui a été faite, la révision, la réécriture des programmes d'enseignement moral et civique, ça n'est plus faire participer les élèves à l'élaboration du règlement intérieur, c'est faire respecter le règlement intérieur. Donc, est-ce que c'est une école qui émancipe ou est-ce que c'est une école qui formate? C'est toute la question. Oui, et d'ailleurs, on a vu se développer dans les écoles après cette réforme de l'EMC, moins que ce qu'on aurait voulu, tout ce qui est débat philosophique, débat démocratique, et je renvoie aux ouvrages de Michel Tozzi, évidemment, ou aux travaux de Laxas et de Jacques Lévin sur les ateliers de philosophie. Je crois que maintenant, il va être temps de passer au chat et aux questions qui ont pu être posées sur le chat et que nous allons vous relayer. Monsieur Delahaye, Ben, est-ce que tu peux faire une synthèse des centaines de messages qui sont passés? Alors j'ai eu une mission très très confortable parce que beaucoup de réponses ont été apportées au fil de l'eau aux questions qui étaient posées, donc c'est assez très confortable pour moi. D'abord, dès le début de votre intervention, c'est l'émotion et surtout votre dernier ouvrage qui a touché au cœur de beaucoup d'entre nous. Je reviens sur cette idée de sanctuarisation de l'école, sur son projet général, en le dissociant du calendrier électoral et politicien. Et il est dit dans le chat qu'il y a quand même évidemment localement des résistances, notamment quand il y a un changement de direction, c'est le cas de le dire, et qu'on repart sur des projets nouveaux localement, sans tenir compte de ce qui a été fait avant, et donc une espèce de sentiment d'être un peu Sisyphe avec son rocher. L'idée également est revenue sur cette idée d'avoir favorisé à raison la massification sans se donner les moyens de la démocratisation. Ensuite, la notion qui a été discutée, évidemment, c'est cette distinction entre égalité des droits et égalité des chances, qui reste assez fondamentale. Autour des parents d'élèves de milieux populaires, également, est-ce qu'ils sont démunis, est-ce qu'ils sont démissionnaires? Cette distinction entre les deux. Et au tout début, qui est passé entre deux messages, la notion nouvelle de transclasse. Alors, c'est associé évidemment à la méritocratie. Et puis, l'exception consolante, mais également l'exception
qui confirme, est-ce que ce ne serait pas non plus une exception qui confirme la règle? Et comment, voilà, comment, quoi faire avec cette nouvelle motion? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, globalement, ce qui ressort du chat. Pardon, s'il vous plaît. Audrey Tablette, pourriez-vous arrêter votre micro, s'il vous plaît, qui gêne beaucoup? Voilà, et votre. Voilà. Non, votre micro n'est pas arrêté encore une fois. C'est très désagréable. Voilà, Ben, tu peux reprendre, s'il te plaît. Non, alors oui, je disais, alors pour finir, avec voilà, cette notion de transclasse, peut-être à redéfinir selon vous, est-ce que c'est un. Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Bon. Je commence à répondre. Alors, une question intéressante, elles sont toutes intéressantes, bien sûr, mais je commence par celle qui met en opposition massification et démocratisation. Là, c'est une vraie question. Est-ce qu'on s'est vraiment donné les moyens, en massifiant, de démocratiser? Est-ce qu'on a démocratisé la réussite scolaire en massifiant? C'est évidemment une très très bonne question. La réponse est sans doute non. J'en ai donné un exemple tout à l'heure. Dans un pays qui dépense 8% de moins que les autres pays comparables pour son école primaire, mais qui dépense 30% de plus que les autres pour son lycée, il est évident qu'on ne s'est pas donné les moyens de prévenir et de traiter les difficultés dès qu'elles se présentent dans le système éducatif. Nos classes d'école primaire et de collège sont les classes les plus chargées en élèves des pays européens. Et ça ne date évidemment pas de 2017, hein. C'est quelque chose qui vient de très loin parce que notre système éducatif, il a été conçu à partir du lycée, le lycée napoléonien qui accueillait les classes maternelles, élémentaires, collèges et lycées, que le lycée de bourgeois dans lequel on a mis beaucoup de moyens et dans lequel on continue aujourd'hui à mettre beaucoup de moyens. Nous avons le lycéen qui est un des plus chargés au monde en horaire scolaire, entre parenthèses pour les enfants des pauvres qui arrivent au lycée général. Comment faire ses devoirs, apprendre ses leçons, travailler sur la méthodologie, quand l'emploi du temps n'est pratiquement plus, n'a plus d'espace dans l'emploi du temps pour faire de l'accompagnement personnalisé avec une dotation globale qui est souvent utilisée pour faire autre chose. Ensuite, on n'a jamais donné réellement les moyens au collège unique de réussir à être le collège unique. Mais ça date depuis très très longtemps. Mon livre est très court, mais je donne quelques exemples quand même historiques montrant que le collège, c'est le nœud, en fait, du système éducatif autour duquel les différentes options politiques se sont affrontées. De toujours, on a eu des gens qui ont voulu faire de l'entrée au collège une digue. Et ça, le mot digue, c'est un mot utilisé dès le 19e siècle, dès la Troisième République. Et puis d'autres, on a voulu, au contraire, en faire une vague pour aller vers davantage de scolarité réussie s'agissant des milieux populaires. On n'a jamais donné, alors, les moyens au collège de réussir, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand René Haby met en place le collège unique en 1975, il n'est pas idiot, il connaît le système, et il voit bien qu'il va falloir un personnel diversifié au sein du collège, parce que les élèves en classe hétérogène, je vous rappelle qu'avant il y avait 3 séries au collège, hein, donc on a rassemblé ces séries dans des classes hétérogènes, il fallait avoir des personnels aux compétences diversifiées. C'est absolument pas ce qu'on a fait par la suite, et on a eu de cesse d'unifier le corps professoral de collège en un professeur en gros de lycée, d'un petit lycée, en privant donc d'une certaine manière les élèves de ces pédagogies différenciées adaptées dont ils avaient besoin. Et puis sur le plan des moyens, et ça c'est la Cour des comptes qui dès 2003 tire le sonnette d'alarme dans un rapport sur la gestion du système éducatif qui dit attention, on est en train de ne pas donner les moyens au collège de réussir sa mission de fin de scolarité obligatoire en ayant privilégié le second cycle et donc le lycée. Donc, on voit bien pourquoi en France, il est encore compliqué aujourd'hui, au-delà des questions de pédagogie, mais aussi une question simplement de répartition des moyens dans le système éducatif, de réussir cette massification. Alors évidemment non, mais je pense que celui qui a posé ou celle qui a posé la question ne la posait pas dans ce sens-là. Les parents pauvres ne sont pas des parents démissionnaires, évidemment. Ma mère ne s'est jamais rendue à une réunion de conseil de classe, jamais. Elle n'a jamais participé à une réunion dans l'établissement. Elle avait honte d'y aller. Elle ne se pensait pas suffisamment habillée. Elle se disait, mais comment je vais prendre la parole? Je ne suis pas à l'aise. Elle n'y est jamais allée. Ça ne l'empêchait pas d'éplucher mes bulletins scolaires avec une très grande attention et de me tirer les oreilles quand ça n'allait pas. Les parents ne sont pas démissionnaires. On l'a vu, d'ailleurs, récemment, au moment du confinement.
au moment du confinement, certains de nos collègues qui ne mesurent pas, mais je ne leur fais pas grief d'ailleurs, parce qu'on ne les a pas préparés dans leur fonction à cela, ils ne savent pas comment vivent les milieux populaires, ont découvert une très grande attention de gens qu'ils ne voyaient peut-être jamais en réunion, mais qui venaient chercher quand même les devoirs quand il n'y avait pas Internet à la maison et qui se sont souciés du travail de leurs enfants. Donc, faisons très, très attention. Je dirais même au contraire que les parents de milieux populaires, pour beaucoup, demandent trop à l'école, demandent énormément, misent énormément sur l'école. Et la déception est évidemment à la hauteur de leur investissement quand ils s'aperçoivent que, pour les raisons qu'on a indiquées, les scolarités de leurs enfants ne correspondent pas aux espoirs qui étaient les leurs. Oui, moi, je me considère comme un transclasse. Je dis dans mon livre que je suis un migrant social qui s'est habitué à vivre sous différentes latitudes, une sorte de caméléon social. Pour autant, j'ai toujours refusé de servir d'alibi. Parce qu'on voit bien, ce qui est derrière, hein, quand on met en évidence, regardez celui-ci, il a réussi, regardez celui-ci, comment il a fait. En gros, les autres, vous n'aviez qu'à faire pareil. Hein, si vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé. Donc, oui, toute mon action aujourd'hui est de ne jamais se laisser enfermer dans la position d'être un alibi pour qu'on oublie ensuite les mauvaises manières que l'on fait à tous les autres. C'est un peu pourquoi je me suis aussi toujours opposé aux internats d'excellence, alors même que je suis un bénéficiaire de l'internat. Moi, je pense que l'internat est un puissant levier d'égalisation des chances, à condition évidemment que ça corresponde à un projet de l'élève et de sa famille. Mais l'internat d'excellence, où il s'agit d'exfiltrer quelques-uns pour se donner bonne conscience, avec des élèves qui sont très heureux hein, dans les internats d'excellence, ce n'est pas le sujet, mais pendant ce temps-là, tous les autres ne sont pas convenablement traités. Donc, c'est aussi une façon pour moi de dire non, pas d'alibi, c'est l'ensemble des élèves qui doivent être traités à égalité, et à égalité de droit en effet, et pas à égalité de chance. Merci M. Dallet. Je voudrais vous citer dans votre livre « Exception consolante » où vous écrivez « Dans la majorité des cas, les parents pauvres ne sont pas des missionnaires », c'est donc votre réponse, mais s'ils sont dépassés, submergés par les difficultés, voire démobilisés, souvent ils ont peur de l'école, on ne parle pas à quelqu'un qui te fait peur. Mmh. Et je rebondis en disant que moi j'enseigne depuis 42 ans, je ne suis pas certain d'avoir entendu un jour l'expression « enfant pauvre » ou « parent pauvre ». Et vous parlez là d'une… C'est quelque chose comme un témoignage d'une mauvaise conscience collective, quoi. Si on mettait sur la difficulté scolaire le mot « enfant pauvre », peut-être agirions-nous autrement, quoi. Comment changer ce regard et faire ouvrir les yeux, peut-être même simplement dessiler les yeux des collègues sur ce problème? Alors, les collègues, pour beaucoup, et ils n'en sont aucunement responsables, ne viennent plus du monde de la pauvreté. Je dis dans mon livre que quand je suis reçu, moi, au concours d'entrée à l'école normale d'instituteur d'Amiens en fin de troisième, à l'époque, on passait le concours en fin de troisième, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu poursuivre des études, parce que tout était pris en charge. Il y avait assez peu d'enfants de bourgeois dans ma promotion d'élèves instituteurs, hein, milieux modestes, petits employés, fils d'ouvriers, famille monoparentale comme c'était le cas chez moi. Aujourd'hui, bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'est plus le cas. Il faut qu'en formation initiale et continue, on apprenne aux enseignants ce qu'est effectivement la vie de la majorité des élèves qui ne sont pas des milieux en connivence avec l'école. Et là, j'élargis évidemment, hein, je ne parle pas seulement des pauvres, mais de celles et ceux qui n'ont pas des parents ayant fait de longues scolarités secondaires et encore moins universitaires, qui ne sont pas donc initiés et qui ne sont pas comme nous, comme nos enfants, et je me mets dedans maintenant aussi, familiarisés avec le système éducatif. Donc, voilà, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de… C'est sur notre mauvaise conscience et sur l'enseignant, voilà. Oui, bien sûr. Et donc ça, il faut perdre cette mauvaise conscience, il faut oser dire les choses telles qu'elles sont, sans misérabilisme. Mais on n'est pas misérabiliste quand on constate quand même que nous avons aujourd'hui dans notre pays 10 millions de concitoyennes et de concitoyens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce n'est pas rien quand même. Que nous avons dans nos écoles, collèges et lycées, un élève sur cinq, c'est pas rien, qui vit dans une famille sous le seuil de pauvreté. Et si on fait le focus sur la grande pauvreté,
Donc, on est à 1,6 million, c'est-à-dire 12% de nos élèves qui vivent dans des familles connaissant la grande pauvreté. Donc, il faut mettre un nom là-dessus et ne plus effectivement parler de familles défavorisées, défavorisées par qui d'ailleurs, hein, ça ne tombe pas du ciel, démunies, etc. Non, il y a des pauvres, de même qu'il faut avoir, ne pas avoir, enfin, faut pas non plus avoir le pudeur pour parler des riches. Parce qu'effectivement, il y a des riches, alors qui ne sont pas seulement des riches en monnaie, mais qui sont des riches aussi en pouvoir intellectuel, en capital intellectuel. Et je considère que nous faisons partie, nous aussi, des privilégiés intellectuels, d'une certaine manière. Alors, ce qui n'est pas infamant, ce n'est pas un drame, on n'en est pas responsable, simplement, il faut juste considérer que toute la population ne nous ressemble pas. Voilà. Alors, avant de rendre la parole à Ben pour une dernière question du chat, je me posais la question de savoir si votre expérience humaine d'exception consolante, qui est un mot extraordinairement puissant, une expression extraordinairement puissante, je trouve, donc votre expérience humaine de la grande pauvreté, ne pourrait pas être une matrice, parce que je ne veux pas vous mettre comme exemple, et parce que je sais que vous ne voulez pas l'être, mais une matrice d'autres exclusions sur le genre, sur l'origine, sur ce qu'on pourrait... Et où l'on pourrait également trouver des exceptions consolantes. Mais bien sûr, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous venez de dire. Je pense que ça peut être une piste, en effet. En essayant d'expliquer mais rapidement pourquoi j'ai mis ce titre à mon ouvrage « Exceptions consolantes », c'est que j'ai repris la formule utilisée par Ferdinand Buisson, collaborateur de Jules Ferry, qui, voyant bien que le secondaire, à fin du XIXe siècle, n'était pas dans une situation satisfaisante pour les enfants du peuple, laissait venir dans les lycées bourgeois quelques boursiers, dont des exceptions. Alors pourquoi? Parce que Ferdinand Buisson avait de l'humour. Pourquoi exception consolante? Eh bien, disait-il, parce que ça nous console, nous, les riches et nous, les favorisés, de l'injustice que nous continuons à créer dans la société. D'où l'expression expression consolante. Mais vous avez tout à fait raison. On peut tout à fait élargir cela à d'autres types d'exceptions, notamment de genre. Bien sûr. Je crois qu'il faut citer ici, parce que ça apparaît régulièrement dans le chat aussi, à Td Carmonde et l'extraordinaire travail qu'ils font avec les parents pauvres, encore une fois. Moi, j'ai assisté un jour à une conférence de deux personnes très humbles. C'était un colloque où il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup de psychologues, de psychanalystes même, et qui sont montés sur scène et qui ont obtenu le silence en disant simplement « Nous sommes deux parents pauvres ». Ça voulait dire, en fait, on est le sujet du colloque. C'est une expérience humaine forte. Mais vous avez tout à fait raison, je comptais le dire juste dans les quelques mots de conclusion. Mon travail a été considérablement enrichi, notamment à partir de 2014-2015, par la collaboration que j'ai eue avec Td Carmonde et notamment avec sa présidente actuelle, Marie-Alette Grard. Et donc, on fait très souvent des actions d'animation ensemble. Ils ont notamment cette approche extrêmement enrichissante qu'ils appellent le croisement des savoirs. C'est-à-dire que on ne peut pas avancer dans la résolution d'un certain nombre de sujets, dont celui qui nous occupe là, si en effet on ne prend pas en compte la parole des pauvres eux-mêmes. Et ce qu'ils appellent le croisement des savoirs, c'est de mettre en présence des parents pauvres, des parents qui ne le sont pas, mais qui sont des alliés d'une certaine manière et qui ont compris la nécessité d'aller vers plus de justice sociale, et puis, par ailleurs, des acteurs, des experts, des chercheurs. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le croisement des savoirs qui permet de faire avancer le sujet, enfin, la question sur un certain nombre de sujets. Donc, voilà, hommage que je rends moi aussi à TD Carmonde. Ben, pour une dernière question du chat, mais nous arrivons au bout de ce webinaire, malheureusement. Pour une dernière question, Ben. Oui, oui. Alors, il y avait une question par rapport à comment dire, une réactivation d'une véritable organisation par cycle des enseignements. Qu'est-ce que ça apporterait en termes justement de mixité scolaire? Et juste une remarque moi personnelle sur le je note que vous dites depuis tout à l'heure, vous parlez tout de parents de classe populaire et pas forcément de famille. Et cette distinction entre famille et parents d'élèves, le statut qu'on accorde aussi à ces parents-là, voilà, je trouve ça finalement assez nouveau et je trouve ça très très intéressant. Voilà. Ferme la parenthèse. Donc la question c'était
C'était par rapport au cycle, la politique oui. des cycles et cette voilà qui est encore dans la loi, hein, mais qui est passé un petit peu à l'as. Bah, c'est-à-dire qu'on a alors c'est depuis la loi Jospin de 89, hein, ça commence à faire. Nous-mêmes, avec la loi de refondation, on en a rajouté une couche, si je puis dire, en retravaillant les cycles et en faisant, par exemple, un cycle CM1, CM2, 6e, permettant de mieux articuler le niveau école-collège. Donc, les cycles, sur le plan des structures, tout ça est parfaitement mis en place. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait? C'est parce que nous avons été infichus, et je pense que la responsabilité est vraiment partagée, au-delà, pour le coup, des différents gouvernements, de concevoir vraiment des programmes qui soient des programmes conçus par cycle. On a eu tendance, alors on a fait des programmes par cycle, mais on a eu tendance ensuite à faire des découpages en disant voilà ce qu'il faudrait quand même atteindre la première année, la deuxième année, la troisième année. Donc on a, voilà, il faut simplement le constater, on a une difficulté en France à concevoir des programmes en cycle, peut-être parce que, et là on peut renvoyer au magnifique travail qui est en train d'établir un collectif qui s'appelle Sicure dans le cadre du collectif du collectif universitaire d'information pédagogique, le CUIP, pour réfléchir sur ce que sont les savoirs à enseigner, est-ce que ça a du sens pour tous les enfants, et donc plutôt être dans la logique d'un curriculum plutôt que des savoirs, des programmes d'enseignement qui seraient élaborés année après année. Mais ça, ce serait une vraie révolution, et pour le coup, ça se prépare, ça ne s'improvise pas, et ça va nous demander un certain temps. Donc, je suis persuadé que l'organisation de la scolarité en cycle permet en effet de prendre en compte les rythmes différents d'apprentissage. Pour cela, il faut des pédagogies qui soient réellement différenciées. C'est un petit peu pour ça qu'en novembre 2012, la première circulaire que je signe en tant que DGESCO, c'est une circulaire sur le plus de mètres que de classe, parce que précisément, c'était une façon d'engager un travail plus collectif, pas seulement sur une année, mais sur l'ensemble d'un cycle entre les maîtres de toute une classe. Bon, avec le dédoublement CP, CE1, c'est une autre option qui a été choisie, mais je regrette qu'on ait fait disparaître ce dispositif, qui était une façon sans doute modeste, mais d'avancer dans la mise en œuvre effective des cycles. Merci beaucoup à tout le monde. En fait, pris dans l'écoute de vos propos, j'ai par exemple oublié de vous montrer un dessin de Bess sur ces enfants qui sont non pas au fond de la classe, mais vraiment au fond, sous la classe. Je crois que c'est Véronique Decker qui disait « eux n'ont même pas de plancher sous les pieds ». Et donc j'ai oublié cela, j'en suis confus. Et peut-être, est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Pardon de vous prendre au dépourvu. Non, parce que je crois qu'on a bien fait le tour des différents sujets, ce qui ne me surprend pas venant des cahiers pédagogiques, hein, parce que voilà, vous connaissez parfaitement le sujet, vous êtes des acteurs importants dans notre système. Et non, je crois qu'on a abordé l'essentiel de ce qu'il fallait aborder. Merci à vous pour votre présence, merci à nos intervenants, Ben pour le chat et tout le monde sur le chat. Il est temps de clore ce premier débat éducatif en vous remerciant. Les cahiers pédagogiques ont publié de nombreux articles et plusieurs dossiers sur le sujet de la pauvreté et de l'exclusion à l'école, évidemment. J'en ai retrouvé un en 72, mais nul doute qu'il y en avait avant, le dossier 102 sur le handicap socioculturel, et plus récemment le numéro 520 en mars 2015, École et milieux populaires, coordonné par Florence Castinco et Jean-Pierre Fournier. Donc vous pouvez vous procurer les livres et lire le formidable Exception consolante, un grain de pauvre dans le système, aux éditions du Labyrinthe. Vous publiez, monsieur Delahaye, prochainement L'école n'est pas faite pour les pauvres, aux éditions Le Bord de l'eau. Notre prochain webinaire aura lieu mercredi 2 février à 18h déjà. Ce sera à nouveau un débat et nous traiterons du problème du harcèlement scolaire avec Marie Cartier et Gwenaëlle Le Guevel, qui nous fera le plaisir d'être à nouveau là. Le harcèlement n'est pas une fatalité. Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire sur notre site. Je vous rappelle que les cahiers pédagogiques, c'est une revue associative qui paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes. Votre soutien est fondamental pour nous. Faites-nous connaître, adhérez, faites adhérer vos établissements, militez, rejoignez-nous. Vous serez les bienvenus. Pensez à liker cette vidéo qui sera bientôt en ligne, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la revue, je le redis, à adhérer au CRAP Cahier Pédagogique. Bonne journée, bon week-end à vous. Merci de votre présence.